vous êtes dans la BTV, c'est l'émission Big Quiz, l'émission de jeux questions-réponses qui passe ici, c'est la télévision BTV, tous les dimanches à partir de 20h, est-ce que tous les mercredis à partir de 20h. Vous pouvez même suivre sur nos pages Facebook et YouTube en écrivant BTV Burundi, vous pouvez mettre vos j'aime ainsi que des commentaires. Aujourd'hui, nous allons avoir 4 invités comme d'habitude et on va commencer la présentation à ma gauche, la fille. Non, prénom et l'école. Guilhemane Célestine, le siècle porté Notre-Dame de Bouguette. L'autre. Je réponds au nom de Jean-Nobel Grishima, alors je suis en terminale maths physique au petit seigneur de Kanyush. Je m'appelle Moussoué Prince, je suis en troisième poste en termes de langue, je suis de Tanganyika. Mon nom est Nadeluc Armand, je suis SOS Roman Main. Ok, merci. On va commencer par les questions. Donc, on va voir une série de 20 questions de chimie, de physique, de biologie, de géographie, d'histoire, économie, sport, religion. Donc, c'est la question générale. On va commencer par Brick. On va commencer par la question avec l'Afrique. Quelle ancienne appellation du Burkina Faso? Oui, c'est Luc. Haute Volta. Réponds. Haute Volta. La Haute Volta. Un point. Sport. Qui est l'initiateur de la Coupe du Monde? Luc. Ça fait 5 secondes. Yeah, Nobel. Réponds. L'initiateur de la Coupe du Monde. Escrange. Qui? Ah, Henri Descrange. Non, c'est pas lui. L'autre. Tentez. Célestine, vous n'êtes pas habitué dans le football. Ça commence par la lettre G. Oui. Champion de Cuba. Non. Lui, il a initié la Jeux Olympiques. C'est Jules Rimet. Économie. Dans quelle ville trouve-t-on le siège de la BAD? Nobel. Genève. Bad Genève, non. Le Caire. Non. Célestine. Ça fait pas. Non, quand même. Si c'est... Oui, l'autre c'est. Prince. Paris. Paris, non. Bad. Luc. Nairobi. Non. Oui, Nobel. Afrique de l'Ouest. Célestine. Abidjan. Voilà, un point. Science. Quel est l'élément chimique du tableau périodique dont le numéro atomique est 26? Luc. Le nickel. Non, nickel, non. Cobalt. Non. Oui, Luc. L'argent. Non. Yeah, Célestine. Okay. Voilà. Un point. Science. Quel est l'élément chimique dont le symbole est Mg? Luc. Le magnésium. Magnésium. Littérature. Terme anglais qui signifie courir les magasins. Oui, Nobel. Oui, Célestine. Shopping. Un point. Science. Comment appelle-t-on le développement rapide d'une maladie contagieuse? Nobel. Luc. Si vous avez fait science B, vous avez trouvé ça, c'est la biologie. Oui, Nobel. Diagnostic. Non. Je répète la question. Comment appelle-t-on le développement rapide d'une maladie contagieuse? Comme on dit qu'il y a... Actuellement, à Chitoké, on dit qu'il y a le choléra, il y a la... Oui, Prince. Épidémie. Épidémie? Qu'est-ce qu'il attendait alors? Science. Terme français désignant l'amour des animaux. Luc. Oui, Célestine. Zoophilie, voilà. Trop facile. Littérature. Mot anglais qui signifie spectacle de variété. Oui, Nobel. Spectacle de variété. Célestine. En tout cas, c'est trop connu. Oui. Mot anglais qui signifie spectacle de variété. Spectacle de variété. Trop facile. Oui. Show. C'est ça. Un show. Tu game with show. Littérature. À qui doit-on l'œuvre? Nana. Oui, Nobel. Oui, Prince. Émile Zola. Émile Zola, voilà.
Un point. Sport. À côté sportif. Quelle ville accueille actuellement ces cafards à Gamekra? La ville, oui. Luc. Kigali. Kigali, voilà. Un point. Histoire. Burundaise. Non, plutôt histoire, je dirais, européenne. Selon la légende romaine, quel est l'animal qui aurait allaité les frères romains? Oui. Nobel. Je pense que c'est le loup. J'ai dit, corrige-toi. La louve. La louve, voilà. Burundi. Burundi, trop facile. Trop facile. C'est l'histoire de la seconde, je crois. Scientifique, ou bien. Oui, seconde scientifique, lettres et économique. Qui était la femme de Machange? Oui, ma belle. Machange, être connu. Quand on dit. Vous savez, il y avait un conflit entre le roi Mohamed qui s'appelait Machange. Et vous savez, le but de ce conflit, c'était quoi? Un chien de. Donc, Mushuzo. Alors, la femme, donc, vous savez qu'il était le beau-fils de Mwenzi Kisawa, machin, tu vois. Alors, la fille de Mwenzi Kisawa s'appelait comment? La fille de Mwenzi Kisawa. Je pense que ça va être K. Oui. Luc. Kigem. Kigem, les amis de 203. Non. K. Encore. Kanyana. Non, Kanyana. Il y avait des noms. Je dirais quoi? Oui. K et puis W. Oui, Nobel. Quoi, voilà. Un point. Sport, à côté sportif. Quelle équipe de la RDC? Luc. Le TP Mazembe. Qui a fait quoi? Nobel, réplique. Tout puissant Mazembe. Célestine. Evita Club. Quelle équipe de la RDC participe à la CECAFA à titre d'invitation? C'est bel et bien TP Mazembe. Un point pour lui. En tout cas, quand on dit RDC, on voit immédiatement le tout puissant Mazembe, le Vita Club. Si c'est pas, donc, comme on disait, qu'on dit Etabeshu Ivignana. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Alors, Burundi. Trop facile. Quelles sont les trois communes du Burundi? Commencez par la lettre. Voilà, la sorcière Célestine, répond. Oui. Kayandaka aussi, Kiwundo. J'ai dit commune. Soyez concentrés et puis répondre à des questions. Donnez les réponses qui sont à des questions posées. Quelles sont les trois communes du Burundi? Commencez par la lettre V. V, oui. Bumbi. Uh-huh. Et puis. Zanda. Uh-huh. Oh! Je donne 5 secondes. Oui, encore. Oui, c'est Zanda. Oui, pense. Zanda. Zanda, Bumbi, Diego. Diego? Non, Diego, c'est une partie. Oui. C'est encore. Zanda, Bumbi. Vous savez le Burundi? C'est comme si c'est au sud. Au sud. Au sud du Burundi. Et vous connaissez où est né Venise Yongao? C'est une commune de la province Makamba. Une commune de la province Makamba. C'est un d'avou les deux. Voilà! Un point! Alors, Bible. Dans la Bible, sous quel mot est mort Moïse? Luc. Le mont Sion. Mont Sion, comment c'est dit comme? Non, prince. Sinaï. Non, Célestine. Ça va être N. 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 N comme Nadine, comme. Oui. Now. Oh, non. Nazareth. Non. Trop. Quand même, c'est trop facile. N et puis E. C'est quatre lettres.
J'avais déjà deux. Moi, ne bab. Ne? Ne bab. Non, corrige-toi. C'est quatre lettres. Je veux dire N et. Non, moi, ne beau. Oui, ne beau. Un mot séminariste. Un point. Bon. Trop facile encore. On a parlé de quoi, quoi là? Chez Machoncho. On va parler d'une autre femme. J'aimerais qu'on va étudier ça en première. Qui l'ont dit? Qui était la femme préférée de Mwetiksa? Oui, Nobel. Irikumutim. Irikumutim, si on dit en français. Irikumutim. Un point. L'avant-dernière question. Géographie. Quelle ville américaine qui signifie oignon sauvage? Luc. Oignon sauvage. Los Angeles. Non, réplique. C'est pas ça. Non. Oui. Chicago. Californie. Ville. Nobel. Tiens, un point, c'est Chicago. Mais il faudra attendre que je dis celui qui a commencé à allumer la lampe. Un point. Dernière question. Est trop trop facile. Science. Non? Oui, science. Comment appelle-t-on cette balance sur laquelle on met des bébés, surtout lors des vaccinations à l'hôpital? Vous savez, lorsque on fait des vaccinations, il y a une balance qu'on utilise. Oui, balance de Newton. Non. Dans la question, il y a déjà une partie de la réponse. Oui. Oui, Luc. Balance à bébé. Non, c'est... Oui. Baby balance. Balance bébé. Non, non. Oui, c'est bébé. Il y a autre chose alors. Oui, Luc. Balance bébé maternel. Non, plutôt, Luc, c'est des mots. Il y a entre guillemets entre des mots. Bébé balance. Non. C'est bien c'est bébé. L'autre mot alors. Qui commence? Balance bébé. Non, bébé. Le mot, c'est... Oui. Alors, attendez. Je vais dire... Donc, la lettre qui commence. Ça commence par la lettre P. Prince. Pèse bébé. Un point. Alors. Alors, le score. Score. Il y a 3 qui ont 5. Luc, 5 points. Célestine, 5 points. Nobel, 5 points. Et Prince, 3 points. Alors, on va vous départager. Prince, tiens, c'est là-bas, mais tu vas participer. On va vous donner 5 questions de capital et des axes de rapidité. Question de rapidité. La capitale de cette île, Luc. Oui, Nobel. Moussa. Célestine. Hein? Alors, je fais ta question pour Célestine. Pour Célestine. C'est elle qui la demande. Non, 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 c'est fini. La capitale de Eswatini. Eswatini, balade. Voilà. Un point. La capitale de la Gambie. Nobel. Libreville. Luc. Bonjour. Bonjour. Un point. Troisième question. La capitale. La capitale de la Zambie. Luc. Lusaka. Lusaka. Hein, dernière question. Non, il y a encore des questions. Patrick. La capitale. On est un pays de l'Afrique centrale. La capitale de la Centrafrique. Nobel. Bangui. Ah. Quand même. Je l'avais déjà dit. Alors, comme vous avez répondu en même temps, je vais remplacer la question. La capitale du Suède. Nobel. C'est fini, Luc. Stockholm. Stockholm, voilà. C'est fini. Ah, dernière question alors. La capitale
Alors réponds. Bonjour. Alors, la capitale politique. La capitale politique du Côte d'Ivoire. Luc. Yamoussoukro. Yamoussoukro. Score. Alors, le premier, Luc, et puis Célestine, 6 points, et Nobel aussi, 6 points. Alors, le premier, c'est Luc, qui va jouer la finale, et les autres, on se voit la semaine prochaine. Je vous ai dit que l'émission passe ici tous les dimanches de 15h, ainsi que tous les mercredis de 20h. N'oubliez pas à mettre vos j'aime ainsi que des commentaires à notre page Facebook et notre page YouTube AmfibaBTV Burundi. Quant à moi, Axel Kéré, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.